Jean, manifeste-toi. Oh papa, descends, agis. Manifeste-toi. Oh Yahweh, descends, agis. Assez est assez. Assez est assez. Oh oui, assez est assez. Assez est assez. Oh, assez est assez. Assez est assez.
Alléluia. Merci, éternel Dieu des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci, merci pour ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Dans le nom puissant de Jésus-Christ, quelqu'un est là ce matin? Rakabaya Sandebobo. Hallelujah, hallelujah. Merci, éternel Dieu des armées. Merci, merci, merci pour les bonnes portes que tu ouvres dans la vie de tes enfants ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es là et que tu es en direct avec moi ce matin, hallelujah, envoie-moi des mots, des paroles. Rekabaya Sanda. Alléluia, merci Seigneur, merci Seigneur. Isekabaya sanda rende bobo rende bobo rakababaya senda babaya shende rende baradabaya sanda rende bobo kosi kabaya sanda. La grâce de Dieu dans ta vie ce matin, la grâce de Dieu dans ta vie ce matin, la grâce de Dieu dans tes affaires ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rababa, Rendebo, Ridabaya Sanda, si tu es là ce matin, dis-moi que tu es là, montre-moi que tu es là. Alléluia, nous allons prier, on va prier l'envoûtement, la prière contre l'envoûtement continu. Et aujourd'hui, on va prier spécialement contre les problèmes de voyage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Excusez-moi, je viens de me réveiller pas trop longtemps. Alléluia. Donc on va prier tout à l'heure. Faut commencer déjà à partager. Commence déjà à partager dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oui, bienvenue, 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 bienvenue. Ceux qui viennent de nous joindre en route. Alléluia, Rambababa Yasanda, Rendebo Kosika Baba Yasanda Baba, Rendebobo Yosita Kabababa, Randababa Yasende Bobo, Kete Kabaya Sanda, Rendebo Keshika Baranaba Yasa, Rendebebe Karandebo Yosike, Rendebe Keseta, Orobaya Sanda, Rendebe Kesheta. Si tu es là, partage déjà nos directs, partage déjà nos directs. Randaba Yasanda Baye Sete, Rendebo Kosaka Baba. Rendebe kechete, randa baba ya sanda, rendebe rendebe, rida baba ya sanda, rendebo bobo, rendebo bobo, risaka baba ya sanda bebe. In the mighty name of Jesus, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, éternel Dieu des armées, personne comme toi, nous bénissons ton nom. Alléluia, alléluia, reka baba ya sanda, rendebo kosi kaba ya sanda, rendebe ke, randa baba ya sanda bobo, rendebe kechinda, randa baba ya sende bobo rica kababa ya sanda rende bebe riana baya sande bo rende bebe. Alléluia, tout ce qui est comme œuvre d'envoûtement dans ta vie, que cela tombe maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Yakaba ya sanda rendebe 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 rateke boye seteke riana baya sanda. Alléluia, merci Seigneur, merci d'avoir délivré tes enfants, merci Seigneur pour les bonnes portes d'ouverture que tu manifestes dans la vie de tes enfants en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me regarde actuellement avec un problème d'envoûtement. Reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous allons faire nos prières de fondement. Amen. Nous allons faire nos prières de fondement dans le nom puissant de Jésus-Christ. On va aller et faire nos prières de fondement dans le nom de Jésus. Tu vas prier avec moi tout à l'heure. Nous allons faire les 7 étapes de prière et rentrer dans l'envoûtement et rentrer dans les prières prophétiques. Et puis on a fini pour le jour. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Personne n'a comme toi, nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se mesurer à toi. Tu es unique en ton genre. C'est toi le lion de la tribu de Juda, le Dieu des cieux, le Dieu de paix, le Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut fermer. Alléluia. Il ouvre les portes et nul est capable de fermer ces portes-là. Sois élevé, éternel Dieu des armées. Sois élevé, éternel Dieu des armées. Sois magnifié, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Voilà, c'est ça. Faut partager dans le nom puissant de Jésus.
Rokabaya sade bobo yesi kabaya sata. Rade bobo que si le boke shinde boya sata. Rende bori yadabaya sende boke sababa. Randaba. Si tu ne vois pas les sœurs qui devaient être en ligne, si tu ne les vois pas, il faut déjà commencer à les identifier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus. Rababaya sada. Je prends autorité contre tout esprit maléfique. Alléluia. Contre ton avancement. Voilà, je vois déjà, les gens commencent déjà à identifier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bon baya sada baya sende rede boko si kabaya sada rada baba baya sende bobo ride bobo kesina rede baba ya sende bo risaka baya sada. Partage la vidéo dans tous les groupes, dans tous les groupes, dans tous les groupes, même dans les WhatsApp. Partage cette vidéo parce que quelque chose va se passer. Et toi, tes partages représentent quoi? Tes partages représentent ta semence dans l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers ce ministère dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Rumba baba, yese kobo, riyana baya sanda, rene bobo, rene bébé. Rishaka baya sondebo, rondo bori yana baya sanda, rana baba ya sende. In the mighty name of Jesus Christ, Father God, we give you the praise, we give you the praise, we give you the praise. Seigneur, nous te donnons la gloire, nous te donnons la gloire. Prends le contrôle, Seigneur, nous te glorifions en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, bienvenue, Charité, Kouazera, bienvenue, mes enfants, mes filles spirituelles qui sont toujours là. Chaina Jibes, tu es béni. Miss Miraka, tu es béni. Madeleine Kwame, tu es béni. Rita Zadi, tu es béni. Rokiatu, Danyogo, tu es béni. Alléluia. Rakabaya Sata, Alphonsine Ziga, tu es béni. Rambobo Sapoma, tu es béni. Bienvenue au paradis. Attends, je vais bien lire ce nom. Au paradis des enfants. Ah, ok. Bienvenue au paradis des enfants. Alléluia. Tu es béni. Rose and Gold, tu es béni. Diamant noir, tu es béni. Rakabaya Santa. Alléluia. Oui, il faut qu'on partage notre taux de vue actuelle ne doit pas diminuer, ça doit augmenter. Alléluia. Donc envoyez-moi au moins 5 à 10 partages actuellement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Il y a des vies qui ont été bloqués. Attends, je vais parler aujourd'hui spécialement, sinon spécifiquement, on parlera de voyages. C'est-à-dire que les voyages qui ont été bloqués par l'envoûtement, les papiers d'immigration qui ont été bloqués par l'envoûtement, les problèmes de visa qui ont été bloqués par l'envoûtement. Alléluia. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc, je veux que vraiment tu sois concentré dans le nom puissant de Jésus. Nous allons commencer nos prières. Alléluia. Nous allons commencer nos prières. La raison pourquoi nous faisons les 7 étapes de prière, c'est premièrement de vous aider à prier, de vous apprendre à prier. Alléluia, afin que en dehors de moi, en dehors d'un homme de Dieu ou bien d'une femme de Dieu, que vous puissiez prier pour vous-même, que vous puissiez prier pour ceux qui sont qui vous sont chers. Alléluia, voilà pourquoi nous apprenons cela. Alors notre première étape ici, alléluia, si quelqu'un me regarde actuellement, envoie-moi la première étape. Alléluia, ça fait, je crois, nous sommes dans la deuxième semaine. Alors, donc, tu es capable d'envoyer, de connaître notre première étape de prière avant que l'on rentre dans le sujet du jour, dans le but du jour. Alléluia, dans le but du sujet. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci Éternel Dieu des armées pour les bonnes portes que tu ouvres dans la vie des gens. Alléluia. Rekababa yasade bobo yosoto. Quelle est la première? Quelle est la première? J'attends. J'attends, quand je vais recevoir net, on rentre dans la prière. Alléluia. Merci Seigneur. La première. Première étape de prière. Première étape de prière. Est-ce que quelqu'un est là? Première étape de prière. Voilà, je vois que les gens commencent à partager. Première étape de prière, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la première chose que tu fais? Quand tu rentres dans la présence de l'Éternel, quelle est la première étape de ta prière? Quel est le premier sujet? Alléluia, c'est pas la seule là qui m'ont suivi depuis vraiment le début de ce programme matinal. Alléluia, alléluia. Rakabaya sanda, rende boko si kabarada baya sanda, rende bobo yo sote kebeyese, invoque le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Ah, voilà, je suis touché. Rose Ngo, tu es béni, ma fille. Tu es béni là où tu es. Alléluia. Parce que vraiment, je ne veux pas travailler dur. Et puis bon, il n'y a pas vraiment de fruits positifs. Sinon, il n'y a pas de fruits pour montrer, ce n'est pas bien. Alors, Rose Ngo, merci. C'est ce que tu te rappelles exactement. Qu'est-ce qu'il faut prier d'abord? Qu'est-ce qu'il faut adresser? Quel genre de topic il faut d'abord adresser? Alléluia. Sa pomme, voilà. Rebecca, voilà. Ça vient. Alléluia. Donc, alors, faisons-le. Nous allons prier la présence du Saint-Esprit. Alléluia. La présence du Saint-Esprit, c'est très important. Regarde, tu vas prier contre l'envoûtement. L'envoûtement dans ta vie de voyage. Quelqu'un qui a des problèmes dans le voyage. Et nous allons aussi parler de d'autres choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des problèmes d'enfantement, on va parler de ça aussi. Problème dans le mariage, on va parler de ça. Alléluia, alléluia. Voilà, donc c'est ça. Il faut le Saint-Esprit. Il faut la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit quoi? Jésus a dit que, voilà, avant de faire toutes choses, que lui va au Père, il va envoyer vraiment la promesse du Père. Le Saint-Esprit que le monde ne peut recevoir. Que lorsque le Saint-Esprit sera là, il va te rappeler des choses. Des prières, des mots de prière, des paroles de prière. Alléluia. C'est très important. Je vais te montrer un verset. Alléluia. Zeta baba ya se debo, re debo, re debo, re debo. Risa kaba ya sade, re debe keshinda baba ya sada. Merci Éternel Dieu des armées. Merci Roi des rois. Oro de boko si kabaya chandeleba yesendebo. Rana baya sande bebo. Riena baya sanda. Esprit Saint, tu es bienvenue ici dans ce programme de prière. Alléluia. Se kababa yasada. Rande boko shebo yesite kebe yesede. Rada baya sada baba rede boko sote. Rede beke shinda baba yasada. Rede bobo bo. Rede beke shike merede beke shinda. In the mighty name of Jesus Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ratata kaba yasada. Rede bobo yesi kaba yasada. Mede boke shende bo. Rede bo. Rendez-vous, rendez-vous. Je vais vous montrer le verset 4. Le verset 4 de Actes chapitre 1. Le verset 4. Alléluia. Actes chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Nous allons dans le verset 8 qui dit quoi? Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, alléluia, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un autre verset encore rapidement avant que je ne commence à expliquer. Dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 26. Alléluia. Zekaba bayasada. Redebo kosi kaba. Redebe keshi anaba yasendebo. Rotoko bayasada. Redebebebe. Merci, Éternel Dieu des armées. La Bible dit de même aussi l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient à demander dans nos prières. Alléluia. Romains chapitre 8 au verset 26. La deuxième partie du verset dit quoi? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Alléluia. Dans nos prières, on ne sait pas ce qu'il faut demander. Ça dit quoi? On ne sait pas prier. On ne connaît pas les mots de prière qu'il nous faut. Quand nous sommes en prière, on oublie les paroles. Alléluia. On oublie les réflexions biblique qui pouvait soutenir nos prières, qui pouvait soutenir vraiment la force dans nos prières. On oublie cela. Et voilà pourquoi nous prions pour que le Saint-Esprit vraiment prenne le contrôle. Alléluia. Nous prions pour que le Saint-Esprit nous guide. Alléluia. Esprit Saint, prends le contrôle de ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as prié, nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons demander pardon au Seigneur. Tu vas demander à ce que Dieu te pardonne pour tout ce que tu as fait en dehors de sa volonté. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Quelqu'un n'a qu'à prier. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner tes péchés, pour te nettoyer, pour te laver. Alléluia. Alors, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon pour vraiment ta vie. Demande pardon pour ton couple. Demande pardon pour ton foyer. Demande pardon pour tes enfants. Job dit que
je ne sais pas ce que mes enfants ont fait au dehors. Voilà pourquoi quand ils reviennent à la maison, je fais des sacrifices pour eux. Quand c'était dans le temps de Job, aujourd'hui, Jésus-Christ est nos sacrifices. Alléluia. On ne sait pas ce que nos enfants ont fait, mais on est capable d'envoyer nos enfants devant le Seigneur et demander pardon. Alléluia. Demande pardon. Demande pardon. Regarde ici, nous parlons d'envoûtement. Il y a des choses qui ont causé ces envoûtements. Il y a des choses qui ont ouvert la porte à ces envoûtements. Et ça fait qu'aujourd'hui, on est bloqué. Demande pardon à Dieu. Ce qui fait que toi, tu es sous vraiment l'emprise des démons d'envoûtement. Ce qui fait le péché qui fait que tu es bloqué. Alléluia. Demande pardon. Demande pardon au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu des armées. Pardonne nos péchés. Voilà, c'est ça. Je regarde les prières qui arrivent actuellement. Seigneur, pardon, Seigneur, lave, Seigneur, nettoie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nettoie, éternel Dieu des armées. Nettoie, éternel Dieu des armées. Rakabaya sane bobo, ride boba kosete. Renebeke si takabaya sana. Merci, Seigneur. On continue dans nos prières. On va dire merci au Seigneur. Tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Tu vas dire merci à Dieu pour ses bienfaits dans la vie de tous ceux qui t'ont cher, qui te sont chers. Tu vas dire merci à Dieu pour ce boulot. Plusieurs personnes n'ont pas pu se réveiller. Toi, tu t'es réveillé parce que Dieu est bon. Alléluia. Seigneur, je... voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tu vas dire merci au Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Parce que quelqu'un reçoit sa délivrance en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un reçoit sa délivrance. Quelqu'un reçoit sa délivrance. Rababaya sada, redeboko sote, risaka barabaya shende bobo. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur, est-ce que tu étends ta main dans la vie de celle-là qui regarde actuellement? Merci Seigneur pour les bonnes portes que tu ouvres dans sa vie, pour les bonnes portes que tu ouvres dans la vie de sa maison, dans la vie de son foyer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nos prochaines prières, tu vas prier pour le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de paix et de bonté, le sang de joie et de fidélité. Pourquoi nous prions pour le sang? Nous prions pour le sang de Jésus parce que le sang de Jésus nous protège contre les attaques de l'ennemi dans le nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau nous protège contre les attaques de l'ennemi. Quand Satan essaie de nous briser, quand Satan essaie de nous bloquer, quand Satan essaie de nous retarder, le sang de Jésus est notre sécurité. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à partager. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Les partages ne sont pas trop actuellement. Quelqu'un n'a qu'à partager. Envoyez-moi 5 partages. 5 partages. 5 partages ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. 5 partages ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Rakabayasa de Bobo. Redabayasata. Je réclame le sang de Jésus. Le sang de Jésus dans mes papiers d'immigration. Quelqu'un qui me regarde actuellement, tu as des problèmes d'immigration dans le pays où tu te trouves actuellement. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de victoire. Le sang qui ouvre les portes de bénédiction dans la vie de celui-là qui veut voyager. Dans la vie de celui-là qui a problème de visa. Elle a pris pour le sang de l'agneau. Le sang de Jésus. Quelqu'un partage. Quelqu'un partage le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de paix et de bonté, le sang de joie, le sang de la victoire, le sang de Jésus-Christ dans mes affaires au nom puissant de l'agneau. Alléluia. Nous allons continuer dans nos prières et on va prier pour la puissance du Saint-Esprit. On va prier pour que la puissance de l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de nos prières dans le nom puissant de Jésus. Puissance du Saint-Esprit, prends le contrôle de ces moments au nom puissant de Jésus. Dirige tes enfants. Dirige tes enfants, Esprit Saint, la puissance. On invoque le feu du Saint-Esprit, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu, le feu de l'Esprit de Dieu. Descends dans ce lieu, descends dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous continuons dans la prière. Nos prochaines prières, on va prier pour faire le combat spirituel. Alléluia, appelle ces démons de par leur nom.
et chasse-les. Appelle-les de par leur nom et chasse-les. Tout le monde doit faire cette prière de fondement. Alléluia. Appelle ces démons et chasse-les. Dans le nom puissant de Jésus. Appelle ces démons et chasse-les. Appelle-les et chasse-les. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, visite Nan, Marie, Laure, Irie. Visite-la, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rakabaya, Sete, Koboye, Sete. Alléluia. Continuez d'envoyer vos sujets en commentaire. Dans le nom puissant de Jésus. Le sang de l'agneau dans la vie de Marie Uriel. Le sang de Jésus dans la vie de Denise. Le sang de Jésus dans la vie de Miss Miraka. Le sang de l'agneau, la victoire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Blanche Eva Kwaku, j'invoque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. Na Marie, tu es bénie. Tu es bénie. Le feu de Dieu autour de toi. Rebecca Backling, tu es bénie dans le nom de Jésus. En tant que partenaire de prière, vous êtes mes partenaires de prière. J'envoie le feu de bénédiction dans votre vie, dans le nom de Jésus. Rose Ngo, tu es béni dans le nom puissant de Jésus. Que les bonnes portes s'ouvrent dans la vie de tous ceux-là qui regardent ce matin. Alléluia. Et que les gens parlent bien de toi. Les gens parlent bien de toi. Alléluia. Je prends autorité. Fire by fire. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. J'envoie le feu dans le camp de l'ennemi. Dis avec moi, feu dans le camp de l'ennemi. Feu dans le camp du diable. Feu dans le camp de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dans le nom de Jésus. Le feu. Alléluia. Ce qui a bloqué ta vie de voyage. Toi, tu devrais voyager. Il y a longtemps, tu allais te retrouver dans un pays ailleurs. Il y a longtemps, tu allais avoir tes papiers. Mais tout est bloqué. Rien n'avance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois la grâce. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Quelqu'un soit libéré ce matin. Quelqu'un soit libéré ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Le voyage. Problème de voyage soit réglé pour la vie de quelqu'un ce matin. Fire by fire. Fire by fire. In the mighty name of Jesus. Le feu du Saint-Esprit descend dans ta situation. Le feu du Saint-Esprit descend dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un a partagé? Quelqu'un est là? Quelqu'un a partagé? Rakababa yasande bobo rendebe keshita kabaya sanda rendebobo yosoto kebeke shinda randa baba yasanda yasende boko sente arara yeshege boya sanda kamele bo rendeba yasanda baya sende boke shinda randa baba yasande bebe yesende bo rendebo kesina baya sanda baya sanda ba rendebe bebe yeshinde bo rendebo yasonda ba randa baba yasende boye kende bo kende bo kende bo kende bo randa baba yabade boke shita. In the mighty name of Jesus Christ. Alléluia. Voilà, priez, je vous attends. Priez, priez, priez. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je souhaite d'inviter quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Rababa ya sande bobo yo sote. Radababa ya sanda ba ya shende bo. Rodo bo ke sete ke ba ya shanda. Randababa ye sede bebe ke sika ba ya sende bo. Rababa ya sanda ba ya sende. Rende bebe. Rande bobo bo yo sode ke ba ye sanda. Rababa ya yo se ke be ye ke sende. Rababa ya sanda ba ya sanda rende boyo sondo randaba ya samba ya kende boboyo rende bebe ke shinda ba rinda baba ya sanda rende bebe ke rende bebe yesika baba ya sanda dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Rukiatu, reçois ta liberté, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Rukiatu, reçois, 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 reçois. Rakababa ba ya sende bobo rende boke sika ba ya sanda rende bebe yesinde rinda ba in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Merci Seigneur. Voilà, voilà. Quelqu'un est en train de faire combat spirituel. Quelqu'un est en train de faire combat spirituel. Voilà, voilà, voilà. Le feu, 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 le feu descend dans mon foyer. Le feu, le feu, le feu descend dans ma vie de voyage. Toi dont ta situation d'immigration est bloquée, ton passeport est bloqué, ta carte d'identité est bloquée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Libère
Esprit impur, libère maintenant. Quelqu'un n'a qu'à partager. Quelqu'un n'a qu'à partager. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à partager dans le nom puissant de Jésus. Ratata boya sote kebe. Rien n'a baya chende bobo. Rake boyo se de boriera baya sanda. In the mighty name of Jesus, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Quelqu'un partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel Dieu des armées. Personne n'est comme toi. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Il nous reste 30 minutes. Est-ce qu'on est là ce matin? Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, roi des rois. Zekababa Yasanda. Rende Bokosi Kababa Yasanda. Rende Bekeshende Bobo. Rienda Bayasanda. Rende Bokosi Kababa Yasende. Randa Baba Yasende Bobo. Rienda Bayasanda. Alléluia, alléluia. Voilà. Donc, nous allons essayer de. Comment il faut dire ça? On va essayer de récapituler ou bien faire une petite révision concernant ce qu'on a appris hier. Alléluia. À cette même heure, on a parlé de quoi? On a parlé de d'envoûtement. On a parlé d'envoûtement et nous allons rapidement faire une révision avant de commencer à prier et gâter encore des choses. Alléluia. Merci éternel Dieu des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, Dieu de Jacob. Personne n'est comme toi. L'envoûtement. Rakabaya sandabaya sondo, riyarababaya sendeboya sente. In the mighty name of Jesus. Est-ce que tu es là? Après cet enseignement, sinon cette prière, tu verras si tu es envoûté ou pas. Rekabaya santa. Rendeboko si kabaya santa. Rende bébé. Kesike bobo. Randa babaya sanda. Rende bébé. L'envoûtement dans le nom puissant de Jésus. Tu es vaincu. Libère la vie de celle-là qui regarde. Libère la vie de celui-là qui regarde. Toi, esprit d'envoûtement, tes œuvres sont brisées. Libère. Alléluia. Alors, on va avancer rapidement. Si tu étais là hier, tu peux te rappeler un peu de quoi est-ce qu'on a parlé. Alléluia. Rakabaya sanda. Mais rapidement, ça sera comment on appelle ça? Une révision. Qu'est-ce que l'envoûtement? La définition, c'est quoi? C'est l'influence occulte ou bien l'influence spirituelle à distance d'un individu à un autre. C'est-à-dire quelqu'un est quelque part dans un village et l'autre personne est quelque part dans un autre village ou bien dans une ville et l'autre qui est dans le village va lancer des choses contre celui-là qui est en ville ou bien dans l'autre village afin de pouvoir lui faire du mal, afin de pouvoir détruire sa vie, afin de pouvoir le retarder, afin de pouvoir briser tout ce qu'il est en train de faire. Il y a des vies qui ont été envoûtées, des gens qui ont commencé à travailler, des gens qui ont commencé à bien faire les choses et du coup tout est bloqué, rien n'avance. C'est ça la définition de l'envoûtement. Ça veut dire quoi? Quelqu'un a travaillé, quelqu'un a fait quelque chose sur toi, quelqu'un a semé des choses contre toi. Il y a des gens qui ont commencé à construire et d'autres personnes sont allées là-bas avant que la construction ne finisse. Et ces personnes ont semé des choses dans leur maison. Et depuis ce jour, cette maison ne peut être finie. Cette maison est bloquée. Des gens qui ont commencé des foyers, le foyer a commencé à avancer. Et tout d'un coup, tout est parti, tout est bloqué, tout est gâté. Oui, c'est ça l'influence des démons d'envoûtement. Est-ce que tu m'entends ce soir? Sinon ce matin, est-ce que tu m'entends à ce moment? Reçois ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Comment savoir si nous sommes ainsi? Comment est-ce qu'on peut être envoûté? Alléluia, c'est la question qu'on pose. Comment est-ce qu'on peut être envoûté? Comment peut-on être envoûté? À travers l'usage des objets appartenant à la victime. C'est-à-dire que quelque chose qui t'appartient, qui a été pris par l'ennemi, quelque chose qui t'appartient, que l'ennemi a volé, quelque chose qui t'appartient, que l'ennemi t'a arraché, mais peut-être que tu ne sais pas. Ils vont prendre cela, envoyer cela sur le talisman, ils vont prendre cela, envoyer cela sur le féticheur, ils vont prendre cela et l'envoyer
envoyer chez les marabouts afin de pouvoir te faire du mal. Regarde, tu vois quelqu'un, tu as une chaînette, une petite chaîne au cou que tu as perdue. La chaîne, tu l'as beaucoup aimée, tu as perdu la chaîne. Ça est dans la main des marabouts. Quelqu'un me regarde actuellement. Tu as une paire de chaussures, mais il y a une. Le pied gauche est perdu. Tu ne sais pas où est le pied gauche de ta paire de chaussures. Quelqu'un me regarde actuellement. Tu me regardes actuellement. Regarde ici. Tu as un débardeur qui est perdu. Un débardeur qui est perdu. Ah ah, je parle de quelqu'un. Je parle de quelqu'un. Tu as un débardeur qui est perdu. Alléluia. 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 À travers l'usage des objets appartenant à la victime. Voilà comment on peut être envoûté. Alléluia. L'ennemi utilise ces choses, ces propriétés. C'est-à-dire que ces choses qui t'appartiennent, l'ennemi l'utilise pour te faire du mal. L'ennemi l'utilise pour faire des incantations. L'ennemi l'utilise pour faire des rituels. L'ennemi l'utilise pour faire des sacrifices. Et toi maintenant, c'est toi qui en souffres. C'est toi qui traverses des situations difficiles. Est-ce que tu m'entends ici? Alléluia. Quelqu'un a perdu sa carte d'identité. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu as refait la nouvelle carte. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu veux voyager. Tu as tout ce qu'il faut pour voyager. Mais tout est bloqué. Quelqu'un me regarde actuellement. Tu as perdu ton passeport. Tu as refait le passeport. Mais maintenant, on ne veut pas te donner le visa. Maintenant, on ne veut pas t'accepter. Quelqu'un me regarde actuellement. Tu as perdu ta bague de fiançailles. Je dis bien ta bague de fiançailles. Tu ne sais pas où tu as mis. Tu as enlevé la bague. Je crois bien que tu allais te laver ou bien ce qui s'est passé. Mais la bague de fiançailles a disparu. Et depuis ce jour, le programme du mariage ne veut plus avancer. Ma soeur, tu es envoûtée. L'envoûtement est devant ta porte. Reçois ta liberté. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Quelqu'un reçoit sa délivrance maintenant. Quelqu'un reçoit sa délivrance en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut être envoûté? On peut être envoûté que lorsque quelque chose qui t'appartient, par exemple, un stylo qui m'appartient, et l'ennemi va prendre, puisque j'ai utilisé le stylo. Alléluia, j'ai touché à ce stylo. Le stylo m'appartient. Alors il prend ce stylo et il va faire des incantations. Alléluia. Sur le stylo, mais concernant, va dire des choses, va proclamer des choses dans le spirituel afin de pouvoir me faire du mal. Alléluia. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. Les sorciers sont mauvais. Voilà pourquoi j'ai fait le programme que mon sorcier doit mourir. Celui-là qui m'a envoûté, celui-là qui toi t'as envoûté, je prends autorité. J'envoie le feu contre l'envoûtement. J'envoie le feu contre l'envoûtement. J'envoie le feu contre l'envoûtement. Reçois maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là actuellement? Est-ce que quelqu'un est là en ce moment? Si ta vie a été envoûtée, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance avant la fin de ce programme ce matin. Reçois ta délivrance dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Voilà, je vois les gens qui envoient des paroles. Et kabaya sana baya sene, rede boko soki baya sana. Kiria de Bobayo Sende Bobaya Shanda Rende Bebe Kesi Kabaya Sada. Alléluia. Nous allons continuer rapidement comme c'est une révision. Les symptômes. Les symptômes. Tout est bloqué dans la vie. Malgré tes efforts, malgré ce que tu fais, tu vas au champ, tu fais le champ, mais le champ ne reproduit pas. Malgré tes efforts, tu travailles dur dans les bureaux, tu travailles dur dans la compagnie, mais tu n'as rien que tu peux montrer. Tout est bloqué. Le mariage est bloqué. Le voyage est bloqué. La santé est mélangée. Le boulot est mélangé. Tout est gâté. Et tu sais, ça ne va pas. Tu fais ton mieux, ça ne va pas. Voici les symptômes de quelqu'un qui est envoûté. Les symptômes de quelqu'un sur qui les démons ont fait leurs travaux. Sur qui les démons ont fait leurs incantations. Mais à partir d'aujourd'hui, toi qui me regardes actuellement, s'il y a un envoûtement dans ta vie, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Dis avec moi, mon père, mon père, mon père, mon père, fais descendre ton feu, fais descendre ton feu de délivrance, et libère-moi, et délivre-moi des demandes d'envoûtement au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Envoyez le cœur, envoyez les j'aime et partagez. Envoyez le cœur, envoyez les j'aime et partagez. Alléluia.
Alléluia. Et hier, je parlais de quoi encore? Une habitude négative dont l'on ne peut se débarrasser. Quelque chose que tu fais, tu sais que c'est pas bon, mais tu continues de le faire. Et tu veux te débarrasser, mais ça n'avance pas. Tu veux te débarrasser, mais ça ne marche pas. Alléluia. Voici les symptômes de quoi? De l'envoûtement. Tu es envoûté. Quand quelqu'un est envoûté, c'est comme cette personne est dans une prison. Quand quelqu'un est envoûté, c'est comme cette personne est dans un quoi? Est dans un trou. Alléluia. Quand quelqu'un est envoûté, quand une personne est envoûtée, tu ne peux pas voir loin. Parce que le diable prend le contrôle de ta vie. Le diable prend le contrôle de tes efforts. Et ça fait que tu ne peux pas vraiment reproduire. Tu deviens inutile à tout le monde. Tu deviens inutile à toute chose. Et toi-même, tu en es marre de ta vie. Quand quelqu'un est envoûté, c'est comme l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Le serpent l'avait mordu. Quand quelqu'un est envoûté, c'est comme le serpent, un serpent qui t'a mordu. Un serpent qui est lié sur ta main, qui est attaché sur ta main et qui te mord. Quand tu fais un pas devant, le serpent te mord et te ramène en arrière. Et c'est ce qui s'est passé à l'apôtre Paul. Mais Dieu s'est manifesté. Ce serpent est mort. Alors je prie pour toi ce matin. Un serpent d'envoûtement qui t'a mordu. Ce serpent doit tomber et mourir dans le nom puissant de Jésus. Un serpent d'envoûtement qui a mordu ton foyer, qui a mordu ton mariage, qui a mordu ton voyage, qui a mordu ta santé. Ce serpent tombe. Ce serpent tombe. Ce serpent tombe. Ce serpent tombe dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci éternel Dieu des armées. Dieu d'Abraham, d'Isaac, si tu es là actuellement et que tu nous regardes, il faut partager nos vidéos. Il faut partager. Celui qui regarde actuellement, celle qui regarde actuellement, il faut partager dans le nom puissant de Jésus-Christ afin de toucher un grand nombre de personnes. Envoie des cœurs, il faut partager et touche un grand nombre de personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, touche la vie de celle-là qui regarde actuellement. Éternel Dieu des armées, touche la vie de celui-là qui regarde actuellement dans le nom puissant de Jésus. Touche la vie dans le nom puissant de Jésus. Rakabaya sede, rende bokosi kababaya sa, rende bébé, randaba, rendebe, yesika baba ya sade boba yo soto kobo. Quelqu'un n'a qu'à prier. Prie pour ta délivrance. Envoie des commentaires. Voilà, Living Word, tu es béni. Miss Beraka, tu es béni dans le nom de Jésus. Rokiatu, tu es béni. Alléluia. Diamant Noir, tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer. Merci Seigneur. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut combattre cela? Comment combattre cela? Alléluia. Il faut appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, il y a tout dedans comme solution. Il faut appliquer les références bibliques. Regarde par exemple, si tu as été envoûté et c'est comme si on t'a recommandé à un accident. Tu peux utiliser le verset du livre de Psaume 118, verset 17. Je ne mourrai point, je vivrai. Ce verset, si tu t'arrêtes dessus, ça dit que si tu utilises ce verset, alléluia, l'esprit de mort va fuir loin de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un qui me regarde actuellement, regarde, comment est-ce que tu peux combattre l'envoûtement qui est dans ta vie? Comment est-ce que tu peux faire tomber l'envoûtement qui est dans ta vie? Comment est-ce que tu peux faire limiter cet envoûtement qui est dans ta vie? Comment tu peux bloquer l'envoûtement qui est dans ta vie? Oui, ils ont vu ton étoile de loin. Ils ont vu que la grâce de Dieu est devant toi. Ils ont vu que Dieu va t'utiliser puissamment. Ils ont vu que tu vas vraiment faire de grandes œuvres. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre ensemble pour pouvoir te faire du mal, pour t'envoûter, pour ne pas que toi tu puisses être droit sur ton chemin. Mais dans le nom de Jésus, on va utiliser Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, 18. Alléluia. Excusez-moi, je vais chercher Matthieu 18, 18. Nous allons dans Matthieu 18, 18. Alléluia. Roka baba ya sendebo. Randa balada baya sanda baya sende. Reada baya sende bobo. Rida baba ya sanda. Merci éternel Dieu des armées pour les bonnes portes que tu ouvres dans la vie de tes enfants. Randebo ye kesika baya sata. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Randa baba baya sanda. Alléluia. Voilà, la Bible dit quoi? Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18 au verset 18. Voilà ce que la Bible nous dit. Alléluia.
Ah ah, c'est ce que la Bible nous dit. Voilà, donc ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que nous lions actuellement dans notre prière que nous faisons actuellement est sur le plan physique. C'est-à-dire que vous m'entendez, vous me voyez, vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc c'est sur la terre, c'est sur le plan physique. Maintenant la Bible dit que ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel. Alors le ciel est un lieu spirituel. Alléluia. Donc ce que nous lions à travers nos prières actuellement, c'est lié aussi dans le monde spirituel. Alléluia. Je vais donner un autre verset avant qu'on ait prié. Rakabaya sendebo, riyanabaya sanda, redebeke shinda. Si quelqu'un est là, envoie de cœur, envoie de cœur, envoie de cœur. Partage, partage, partage. Redebo ke si kabaya sata. Radababaye sekebe seke. Alléluia. Voilà, oh, voilà, 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 voilà. Merci Seigneur. Voici, nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, au verset 19. Alléluia, le verset 19. La Bible dit quoi? La Bible dit, voici, je vous ai donné, alléluia, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je vais parler à quelqu'un, alléluia, en ce moment. Oui, c'est vrai, ta vie a été envoûtée. Ta vie a été envoûtée. Ta vie a été arrêtée. Les ennemis t'ont envoûté pour ne pas que tu puisses arriver quelque part, parce que ton étoile était vraiment brillante. Il fallait qu'on puisse t'arrêter, mais la Bible dit, je vous donne le pouvoir. La Bible dit, ce que tu lis sur la terre sera lié dans le ciel, dans le nom puissant de Jésus. Je prie avec toi en ce jour d'aujourd'hui, esprit d'envoûtement, envoûtement dans ta vie de voyage, dans ta vie de mariage, dans ta vie de finance, envoûtement. Je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité. Je prends autorité, fire by fire, pendant que je bats les mains, pendant que je frappe les pieds, receive fire, receive fire. Je vois quelqu'un qui est actuellement mélangé dans la tête. Ton cerveau est mélangé actuellement. Il y a des décisions que tu dois prendre, tu ne sais pas comment. Quelqu'un qui est mélangé actuellement, quelqu'un qui est mélangé actuellement, cela n'est pas dû à rien. C'est-à-dire que quelqu'un est à la base de mélanger ta vie. Ah, alléluia. Quelqu'un est à la base de mélanger ta vie, de mélanger ta de mettre la confusion dans ta vie. Mais je prends autorité. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Sois libéré. Sois libéré dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un qui me regarde actuellement, reçois ta percée. Yaba Yasanda. Si tu es là actuellement pour la première fois, il faut partager. Partage nos vidéos. Come on, tu peux le faire. Partage nos vidéos, partage nos vidéos, partage nos vidéos dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, alléluia. Quelqu'un n'a qu'à partager nos vidéos dans tous ces groupes, dans tous ces groupes, dans tous ces groupes, dans le nom puissant de Jésus. Georgia, tu es béni. Patricia Joël, tu es béni. Sapomba, tu es béni. Je prie pour arrêter l'envoûtement qui a retardé ta vie. Alléluia. Je prie pour arrêter cela. Rebaba yakaboye sote. Rababa yasadebo, redebo kosi kabaya sada. Redebebe yesi. Alléluia. Alléluia. Nous détruisons dans notre vie l'envoûtement. L'envoûtement qui fait que les femmes ne peuvent pas concevoir. Nous détruisons cela maintenant dans le nom puissant de Jésus. Rakabaya Sada. Quelqu'un n'a qu'à prier. Quelqu'un n'a qu'à prier. Quelqu'un n'a qu'à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous détruisons l'envoûtement contre l'enfantement. Nous détruisons l'envoûtement contre le mariage. Nous détruisons l'envoûtement contre le voyage. Nous détruisons l'envoûtement dans l'ivrognerie. L'envoûtement dans le vol, l'envoûtement dans les maladies, l'envoûtement dans les dettes, l'envoûtement dans le blocage, l'envoûtement dans le retard, l'envoûtement dans les limitations, dans le progrès, dans le progrès de notre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant même, libère-toi, esprit d'envoûtement. Je viens contre toi de par le feu du Saint-Esprit. Je viens contre toi de par la puissance du Saint-Esprit. Toi qui as arrêté cette femme et tu ne veux pas qu'elle enfante, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, envoûtement dans le mariage, qui fait qu'il n'y a jamais eu de paix dans ce mariage. Regarde ici, je vais te dire pourquoi
c'est l'envoûtement. Au début, tout allait bien. Au commencement, tout allait bien. Et tout d'un coup, tout est mélangé. Quelque chose s'est passé. Il y a eu vraiment la manifestation de l'envoûtement dans ce couple, dans ce foyer. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais une chose que je sais, je lève la main. Je lève la main de par la puissance du Saint-Esprit contre ce esprit d'envoûtement qui est rentré dans ton couple, qui est rentré dans ton foyer, qui est rentré dans ton mariage. Maintenant même, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, esprit d'envoûtement, tu tombes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? L'envoûtement, tu es vaincu. Envoûtement, tu es vaincu. Envoûtement, tu es vaincu. Tu libères la vie des gens. Alléluia. Il y a des gens aujourd'hui qui devaient être ailleurs. Toi, aujourd'hui, tu devrais être vraiment établi au-dessus. Tu devais être au-dessus aujourd'hui. Mais tout est mélangé. Tout est bloqué. Tout est bloqué. Toi, aujourd'hui, tu devais être le directeur de ce lieu où tu es. Toi, aujourd'hui, tu devais être celle-là qui dirige ce lieu, ce domaine dans lequel tu es. Mais regarde, regarde ton âge. Ton âge est avancé. Actuellement, les choses sont bloquées. L'enfantement est bloqué. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas naturel. Nous ne servons pas un Dieu qui est mauvais. Le Dieu que nous servons, il est bon. Et quand il t'a créé, il a déposé l'enfantement, le pouvoir d'enfantement en toi. Quand il t'a créé, il ne t'a pas créé avec ces problèmes auxquels tu fais face actuellement. Dieu veut que tu réussisses. La Bible dit que Dieu se réjouit. Il se réjouit de quoi? De la prospérité de ses enfants, de ses serviteurs. Quand tu prospères, Dieu est content. Quand tu es content, Dieu est content. Quand tu es dans la joie, Dieu est dans l'allégresse. Alors si aujourd'hui, il arrive que toi tu n'es pas dans la joie, il arrive que toi tu n'es pas content, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable et ces démons d'envoûtement. Nous prenons autorité contre l'envoûtement. Nous prenons autorité contre l'envoûtement. Envoûtement dans nos voyages, envoûtement dans nos voyages. Ce qui a retardé ton voyage, ce qui a retardé ton voyage, je prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Maintenant même, je dis libère, esprit d'envoûtement, libère cette dame qui me regarde, ce homme qui me regarde, ce couple qui me regarde, libère-les by fire, dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Alamaya Shande Bobo, Rende Boko Sika Baba Yasanda. Est-ce que quelqu'un est en train de partager actuellement? Est-ce que quelqu'un partage actuellement dans le nom puissant de Jésus? Il fait chaud dans le studio ici. Est-ce que quelqu'un partage actuellement dans le nom de Jésus? Alléluia. Partage maintenant afin de pouvoir toucher un grand nombre de personnes. Alléluia. Zokabaya Sanda. Rende Boke Shita Karada Bayasa. Randa Baba Yasende Boke Sete. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un n'a qu'à partager? Quelqu'un partage. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Alléluia. Je vous ai fait une promesse en disant que je vais faire une vidéo de une minute pour vous parler de faire de quoi le test d'eau de la douche pour savoir si tu es envoûté. Alléluia. Je vais toujours faire cette vidéo de une minute. Je n'ai pas encore eu le temps, mais je vais faire toujours cette vidéo d'une minute. Alléluia. Mais regarde ici, il y a d'autres tests que tu peux faire. Est-ce que tu me regardes actuellement? Il faut suivre cette partie très attentivement. Sois vraiment attentif. Alléluia. Regarde ici, voilà certains tests que tu as déjà fait sans le savoir. Par exemple, si tu es une femme qui reçoit des fleurs venant d'un homme, par exemple, ça c'est un exemple que je donne. Alors tu reçois la fleur. La fleur, si il est écrit sur le papier de la fleur que cette fleur va prendre 5 jours avant de commencer à mourir, si ta vie est envoûtée, la fleur que tu as dans ta main ne va pas prendre 24 heures. La fleur va commencer comment il faut dire ça? La fleur va commencer à sécher. Tu comprends ici? Voilà encore un autre test que tu peux faire. Si tu vas dans un magasin et tu achètes une plante, ou bien que si tu es dans une ville où il n'y a pas ça, ou bien dans un village, ce que tu peux faire, essaie de planter une plante, essaie de planter quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Ça dit quoi? Ça dit que la plante a déjà poussé quelque part dans un jardin, ou bien la plante est déjà bien en forme. Maintenant, tu prends cette plante et toi, tu viens planter ça dans une terre bien fertile et tu arroses chez toi à la maison ou bien dans ton jardin. Mais ça dit qu'il faut que ta main touche cette plante et puis il faut la planter. Alléluia. Maintenant, tu lui donnes 2 semaines. Au bout de 2 semaines, la manière dont la plante va se manifester,
tu sauras si tu es envoûté ou pas. Alors, si la plante commence à mourir, si la plante commence à perdre des feuilles, il y a un problème d'envoûtement quelque part. Bon, ça, ce sont les petits tests. Il y a plusieurs autres tests. Alléluia. Mais le test capital dont je parle, je vais faire une petite vidéo d'une minute ce samedi, peut-être, c'est-à-dire que plus tard ce samedi, pour te dire comment faire. Parce que là, à moins d'une semaine, tu sauras si ce que tu traverses, il y a l'envoûtement derrière ou bien s'il n'y a pas l'envoûtement derrière. Très simple. Un test carré. Très simple. Alléluia, alléluia. Le feu de Dieu dans ta vie. Le feu de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Sois libéré, toi qui me regardes actuellement. Sois béni, toi qui me regardes actuellement. Alléluia. Je donne rendez-vous demain matin. Demain matin, nous allons prier. Toutes les prières qu'on a faites depuis lundi, on va rassembler toutes ces prières. Et puis demain matin, vendredi matin, de 6h à 7h, sur la même plateforme, on va bombarder, on va prier pour que les choses se passent, pour que les choses soient transformées. Alléluia, dans nos vies. On va prier pour changer les choses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demain, je t'invite, envoie quelqu'un avec toi. Envoie quelqu'un, invite quelqu'un toi aussi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Demain, quelque chose va se passer. Les démons qui n'ont pas pu être chassés aujourd'hui, ni hier, ni avant-hier, demain, c'est leur dernier jour, dans le nom puissant de Jésus. Alors, passe une très bonne journée. Que les choses marchent pour toi. Les choses qui ne marchaient pas hier, les choses qui ont arrêté de bouger, commencent à bouger pour toi, dans le nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, toi qui me regardes actuellement, tu es béni, sois libéré, reçois ta percée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais vous laisser là. Amen. Je vais vous laisser parce que, voilà, on a fait notre une heure d'aujourd'hui. Je crois que plusieurs personnes ont été touchées. Alléluia. Plusieurs personnes ont été touchées. Et je suis content parce que des témoignages sont en train de pleuvoir. Et toi, tu dois faire part de ces témoignages. Ta vie doit changer. Il te faut un témoignage. Tu ne vas pas suivre Dieu cadeau. Tu suis Dieu et il n'y a rien de concret en toi qui va faire que d'autres personnes en dehors qui sont en dehors de l'alliance avec Dieu, rien ne va faire qu'eux, ils vont te demander, mais qui est ton Dieu, alléluia. Il faut que les montagnes qui sont dans ta vie soient déplacées dans le nom puissant de Jésus. Tu es béni, je te donne rendez-vous demain à 6h. Ne sois pas en retard cette fois-ci. Viens et nous allons prier. Alléluia. Allez, au revoir. N'oublie pas ton eau. Si tu as ton eau, il faut la prendre. Il faut boire maintenant parce qu'on a fini nos prières d'aujourd'hui. Merci Seigneur.